Bonjour YouTube. Alors oui, vous n'aurez plus le chat là-haut, mais vous aurez une belle résolution. Siberia 3, on est parti, la suite des aventures de Kate Walker. Rappelez-vous, où est-ce qu'on s'était laissé? Eh bien, Hans était parti avec les mammouths pour vivre ses derniers instants, car oui, Hans allait mourir, laissant Kate un petit peu toute seule dans cette île archipel qu'est Siberia, remplie de mammouths, de mystères, et on ne sait pas ce qui advenait d'elle. Et peut-être que maintenant nous allons le savoir. Donc, go! Des paramètres de difficulté personnalisés. Oui, alors j'ai refait la difficulté dans le sens où... tellement triste que YouTube ne verra plus les conneries. Bah non, si je l'ai dit, ils les entendront toujours. Je me suis arrangé pour qu'on ne voit pas les interactions. Voilà, comme dans le 1 et le 2, c'est-à-dire, il n'y aura pas... On réactivera l'option si on galère. Voilà. Et vous voyez pas, juste derrière moi, là, il y a le chargement. C'est une petite chose. Tortue. Alors là, elle est revenue en arrière. Elle a pas dû rester à Siberia. On verra s'il faut augmenter le son du jeu, bien sûr. Pour les dire, faudrait les lire. Oui, les lire. Oula! Ah, les Yukol! Touk touk! Métal, touk touk! Ah, elle aurait repris une barque pour quitter Siberia et elle aurait échoué ici. Comme un gros caca. Oh, ils ont bien changé. Je sais pas si c'est le même Yuki. Alors, je vire la souris. Un endroit où ça se verrait moins. Derrière moi, ça se voit pas. Là. Les Yukol et les Yuki. On va avouer quand même que la qualité est nettement meilleure. Bien sûr, le premier 2002, le deuxième 2004, et ce jeu-là 2017. Oula! Par contre, je sais pas où on est, mais ça, comme il bâtiment... Il y a 3 mois, des nomades l'ont recueillie mourante là-bas, dans le nord de la Sibérie. Walker, Kate Walker, née à New York, États-Unis. Elle avait un passeport américain sur elle. Elle est arrivée à la clinique la semaine dernière. Elle se rétablit. Elle va bien. Tu es sûr de toi, Olga Efimova? Vous devez la retenir, le temps qu'on arrive. Je ferai ce qu'il faut. Vous pouvez compter sur moi, colonel. Alors, lui, je sais pas pourquoi, je dirais que c'est le méchant. Qu'est-ce qu'on a autour du... Waouh. Salut, cocotte. On savait que Kate était mignonne, mais en HD, c'est tout de suite... Tout de suite plus plaisant. Ma tête. Bonjour, Kate Walker. Comment ça, 1, 2? Bonjour. Oh, ils ont... Est-ce que tout va bien, Kate Walker? Est-ce que c'est 1, 3? Est-ce que c'est la manette? Eh bien, tu ne dis rien? On va essayer la manette. Ah, ça ne marche pas! C'est beau, ça ne marche pas! Bonsoir, ABF. Kate Walker. Bonsoir, Bulle Bronzard. Tu n'as rien à craindre de moi. Ça ne marche pas la manette, hein. Est-ce que tout va bien, Kate Walker? Tu m'as fait rire. Bonjour. Vidéo de... Je m'appelle Kirk, Kate Walker. Faudrait que je... Kirk, de la tribu des Yukol. Tu te souviens des Yukol? Sûr. Où sommes-nous? Mes souvenirs sont confus. Une terrible tempête de neige et de glace. Et puis rien d'autre. Regardez Nous la sommes même à la clinique du docteur Zamiatine.
dans la ville de Valsambor. Comment ai-je bien pu atterrir ici ? Les Yukol accompagnent la grande transhumance des autruches des neiges jusqu'aux terres sacrées. C'est un long voyage, un voyage très spécial. Il y a un mois, nous t'avons trouvé mourante au bord d'un fleuve, là-bas dans le nord. Ah oui, quand même. Nous t'avons recueilli et notre chaman t'a soigné. Après, nous avons poursuivi notre voyage. Et aujourd'hui, nous sommes ici tous les deux pour achever notre convalescence. Tomako, bref. Mais le multicalité, hein, je prêche, tu Est-ce que tout va bien, Kate Walker ? Cause de ton hospitalisation. À ton avis ? Tu peux me parler, Kate Walker. Tu n'as rien à craindre de moi. Tu as perdu une jambe. C'est un accident, tu sais. Il y a des gens qui n'aiment pas... je mets le masque à gaz, d'accord. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Zamiatin a demandé à un grand artisan de Valsambor de me fabriquer une nouvelle jambe. Et il me la posera dès qu'elle sera prête. Ce sera comme une nouvelle jambe toute neuve. Pourquoi t'a-t-on attaché à ce lit ? C'est Madame Olga, l'assistante du docteur Zamiatin, qui en a décidé ainsi. Elle dit que je suis trop turbulent et que c'est le seul moyen de me prodiguer mon traitement. Apparemment, la fabrication de ma jambe artificielle, c'est une longue affaire. Et pendant ce temps, mon peuple m'attend avec le troupeau, sans guide, pour poursuivre notre voyage. J'ai loupé un timer. Nul son. Alors moi, je suis désolé, hein, j'avais pas reconnu que c'est Jules parce que je connais rien à Jules. Attends, je mets le masque. J'avoue. Passion, ta jambe. Les Yukol que j'ai rencontrés ne parlaient pas aussi bien ma langue. Je suis très impressionnée. Ce sont les missionnaires et les marchands qui passent de temps à autre dans notre village qui m'ont instruit. J'apprends très vite les choses, Kate Walker. C'est important si je veux être digne de guider mon peuple. Sans vouloir te vexer, Kirk, tu me parais un peu jeune pour ça. Les esprits ne tiennent pas compte de l'âge lorsqu'ils désignent le chef des Yukol. Et les esprits sont très avisés. Ils ne se trompent pas quand il s'agit de désigner celui qui guidera son peuple pour la transhumance sacrée. Oh oh, c'est donc le chef des Yukol. Si ce n'est pas indiscret, pour ta jambe, qu'est-ce qui est arrivé exactement ? Les militaires ont bombardé la route que nous empruntions avec notre caravane. Comme ça, j'espère que tu apprécieras, juste du pour coup. Nous effrayer le et jeu nous et à la rigueur. À ses cheveux. Comment j'y ai joué ? J'étais un peu trop près de l'explosion. Un éclat de pierre. Voilà tout. Tu veux dire que ce sont les autorités qui t'ont fait ça délibérément ? Mais pourquoi ? Ils pensent que la migration des autruches des neiges appartient à un autre temps et que ma tribu doit se sédentariser une bonne fois pour toutes. Mais jamais nous ne ferons cela, Kate Walker. Ce serait défier les esprits. Et les Yukol craignent bien plus les esprits que les soldats. Donc là, on est dans complètement Et pourquoi dans les un Yukol autre font-ils ce voyage ? Mon peuple vit en symbiose avec les grandes autruches des neiges, Kate Walker. Leur laine nous protège du froid, leurs excréments amendent nos cultures, et leur viande nous nourrit. Elles nous servent aussi de monture et de bêtes de somme. On est donc contraint de les suivre là où elles vont. Et elles migrent à cause du climat ? Non, Kate Walker. Elles s'en vont vers les terres sacrées pour se reproduire. Il s'agit d'un événement qui ne se produit que quelques fois par siècle. Chez les Yukol, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir participé à plus de 3 transhumances au cours de leur existence. Eh bien, Kirk, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. J'imagine que maintenant, il faut que j'aille signaler au personnel que je suis réveillée, que je vais bien, et que je n'ai pas l'intention de m'éterniser ici. Ah, ça, je suis Sans pas doute, sûr que ça va être possible. Walker, tu trouveras certainement du monde dans le patio. Peut-être même Madame Olga. Alors, on commence avec les contrôles. Ok, déjà, c'est pas un jeu raciste. Tout va bien. Est-ce que... Alors, la souris... La manette fonctionne, mais on peut pas interagir. Les boutons ne fonctionnent pas, en fait. Ça, c'est un peu naze. On m'avait dit que c'était un vrai défi de le faire fonctionner à la manette. J'essaierai, à tête reposée, de le faire fonctionner. Ah oui, par contre, c'est vrai que les... zones d'interaction sont pas évidentes, hein. Elle est quand même bien réussie en 3D.
Alors, il y avait une autre interaction par là, mais elle a disparu. En haut, en bas. Ouais, il faut que je clique, il faut que je sois à côté pour que ça marche. Ah, visiblement, il faut que je sois à côté. Ah, je comprends maintenant pourquoi ils ont décidé d'activer plutôt des systèmes un petit peu. Voilà, ok. C'est à lui parler, il faut être à côté. Qu'est-ce qu'elle a autour du cou? Eh oh, y a quelqu'un? Je doute que quelqu'un t'entende, Kate Walker. Tu devrais essayer d'utiliser la sonnette à côté de la porte. Solidement vissé. Rien. Ça ne marche pas, Kirk. J'ai vu des membres du personnel manipuler cette sonnette l'autre jour. Inspecte son mécanisme, Kate Walker. Peut-être que tu arriveras à la remettre en route. Bien sûr. Donc, on cherche un tournevis. Et il n'y a pas avec la bouffe. Oh. Si je frise encore. Ah, mais dis-leur de pédaler plus vite. C'est ça, hein, qui fait que t'arrives pas à... Tu peux aller par là? Oh. Oh. Que fait cette chouette ici? Ah, c'est la chouette qui a accompagné Le les camp de la Yukon. tribu de Kirk, j'imagine. Mais on a vu, mais c'est vrai, c'était la chouette protectrice, on va dire, Ce doit de. être Valsambor, cette ville dont m'a parlé Kirk. Dans les autres épisodes, c'est vrai qu'il y avait toujours une chouette qui nous suivait, et c'était un peu notre guide spirituel. Non, les graphismes sont vraiment. Bah, en même temps, jeu sorti en 2017. Oh là là! Oh là! Par contre, oui, alors les changements de trucs à la Resident Evil, c'est-à-dire on change d'angle, mais il faut toujours continuer à appuyer sur avancer, sinon c'est pas bon, d'accord. Waouh! Ok, on va s'amuser. Même si je m'améliore. Oh, je frise encore. Même en sachant que j'ai tort. Mais non, mais je sais que là, voilà, ça. Solidement vissé. J'ai pas l'inventaire. I. Ah, voilà. C'est un souvenir d'Oscar. Très bien. Cat, inspecté. Cat, retour. D'accord, merci. J. Et aucun papier pour le moment, très bien. Donc au moins on sait ce qu'on a autour du cou. Et donc c'est bien tab. Il faut qu'on trouve quelque chose de pointu pour ouvrir. Shadow of War. Ah, c'est la suite de Shadow of the Mordor, je crois. C'est ça? Oh là! Oh là, il y a eu du time-out, ça y est, il se... J'ai en moi le pouvoir! Et ça y est, c'est parti. Ils se time-out entre eux. C'est qui le pauvre con? On sait que c'est BO. D'accord, merci. Normal. Normal. Non, normal. Alors. Ok. Je tourne en rond, ça y est, on est bloqué. Bien sûr, bienvenue. C'est peut-être du coup mon erreur d'avoir désactivé le système Tu de devrais base. aller dans le patio, Kate Walker. La porte là-bas y mène directement. Peut-être, oui, c'est peut-être moi. Okay. Allez! Je peux pas voir mon dossier.
Que là, ça y est, on tourne en rond. Faudrait voir après à quoi ça correspond, les. Il va falloir que j'inspecte tout. Non mais tu peux pas prendre, je sais pas, le balai, quelque chose. Alors attendez. Du coup, on va vérifier hein, dans les options. Jeu. Avec moins d'indicateurs visuels. Et ça, c'est avec tout. Alors, message de didacticiel, non. Message de rappel, non. Notification de dialogue, pourquoi pas. Manuel, inverser les axes, sous-titres. Ça change quelque chose. Visiblement, non. Time mode 10 secondes, c'est plutôt sympa. En fait, ce qui pose problème, c'est plutôt que ça efface tous les messages qui ont été écrits avant. Ça, je comprends pas. Pourquoi ça fait ça, en fait? Time mode quelqu'un, probablement. Ouais, si. Si quelqu'un rage sur la distance, on le time out pour justement masquer tous les messages. Ouais. D'ailleurs, j'espère que vous activez. Enfin, en tout cas, toi, Nichols. Tu actives les commandes de modération. Non mais. On est réellement bloqué dès le début là. J'ai bien compris, hein, la vis, tout ça. Je n'ai pas d'inventaire pour. Donc, il faudrait trouver un tournevis. Mais, ça commence déjà à être chiant là. Peut-être que quelque part là-dessus, bordel. Timeout et ban. Tu peux les avoir en raccourci en fait sur le chat. Va tester ça sur ton propre sur ta propre chaîne. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Je clique. Ça y est. Ça m'énerve, je clique partout. Observer. Alors. 3 ça marche, d'accord. Et 4. À 4, ça fait fermer et. Bravo. Bravo, le veau. Si ça se trouve, c'est ça qui me permettrait si je n'avais pas. Je peux agir. Je peux agir là-dessus, donc non. Tiens le chat en otage, j'ai mis la police française qui appelle Nicolas. Et vise à soumettre la plaide de Twitch à son diktat. Et c'est le principe d'un stream en fait. Je crois que tu n'apprends rien à YouTube. Ce genre de truc comme ça, oui c'est ça, mais pas les commandes. En fait c'est vraiment visuel dans le chat. Moi j'ai le ban et le timeout qui sont juste à côté de vos icônes. Mon peuple m'attend dans notre campement au bord du lac. J'espère que tout va bien pour eux. Oui, mais moi je cherche un tournevis. J'aurais peut-être dû activer le didacticiel, non? Je me pose vraiment des questions, je peux pas déjà tourner en rond. Ça, c'est l'objectif, rappelle les objectifs. Allez, c'est parti. Merde, merde, merde. On va activer les options de Mongol. Qu'est-ce que ça dit? Et c'est bon.
pas aller sur le côté. Oh, d'accord. Oh, ok. Ce schéma indique comment allumer la sonnette. Mais je ne pourrai rien faire tant que je n'aurai pas accès à son mécanisme interne. Fouille la pièce. Tu y trouveras sans doute un objet pour ouvrir le clapet de la sonnette. Bah, c'est ce que je cherche depuis le début. Et là... Là, ça va débloquer une interaction à la con, non? Dans le coffre. Ah non, ça par contre, si c'est le genre de jeu où tant que t'as pas fait l'action qu'il veut, il te débloque pas l'interaction, ça va me faire chier. Non, c'est déjà ça. Elle se balade pieds nus dans un hôpital, dans la neige, it's ok. Ah, là j'ai accès à la soupe. Choisir une interaction. D'accord, donc en fait c'est le... Manger le pain! Manger le pain. Le bout de ce couteau pourra sans doute me permettre de retirer la vis de Bonne la sonnette. Bonne nuit, Bonza. C'est mieux que rien, j'imagine. Voilà qui devrait faire l'affaire. Maintenant, essaye d'utiliser cet objet pour réparer la sonnette. Ah oui, donc c'est vraiment tutoriel. D'accord, ça se fait comme ça. Waouh, je dévisse. Regarde. Bien. Voyons si j'arrive à réparer ce mécanisme. En cas de doute, peut-être que le schéma que tu as vu tout à l'heure pourra t'aider. Fil vert sur le rouge. Ça par contre c'est marrant, regardez. Ouais, je joue avec le fil. Incroyable. Oh, quel réparateur. Ok, faut faire donc toutes les interactions. C'est marrant. Et comment je remonte le... Ça va remonter tout seul? Comment je remonte le clapet? Wow! Les fils qui s'amusent entre eux. Ah, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Faudrait que tu joues à Cuphead. Non, j'ai pas assez de skill. Alors, je galérerai. Si vous voulez, on peut en faire un moment, une après-midi, n'importe quoi. Je fais du Cuphead, mais c'est enfin. Le genre de jeu où faut être bon, plus qu'à trouver talentueux. Un responsable maintenant. Et c'est pas mon cas. Bien joué, Kate Walker. De mon côté, je vais me reposer un peu. Ah, je sais que je vais mourir dès les... Non, je vais rager, ça va être horrible. J'aime beaucoup les graphismes. J'aime beaucoup Catwalker aussi. Ah, maintenant on peut accélérer. Donc marcher. Va donc te plonger la tête sous l'eau glacée de la fontaine, Nikita. Ça calmera ces foutues migraines. Pas cette fois. Il faudra en toucher deux mots au service d'entretien. Ils ont tous une sale tête, hein, dis donc. Ben mon vieux, te voilà bien arrangé. Comme d'habitude, on fait tout. Vous aussi, vous avez vu des mammouths? Dites-le au personnel, comme ça ils me croiront enfin. Et est-ce que vous avez vu les dragons aussi? Ok, donc lui il est réellement ma boule, mais. Voilà. On va éviter de parler pour l'instant aux membres du personnel. Les docteurs, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille mieux, mon pauvre ami. Tout à l'heure, on ira voir les oiseaux dans la volière. Je connais rien de plus apaisant. C'est même recommandé pour calmer les clous dans la tête. Les clous dans la tête! Oui! Wow, wow. Alors par contre, les interactions sont. Je t'en prie. Le docteur Olga. Nous lui devons le salut. Eh ben salut.
J'y ai pensé à Cuphead, mais il faut vraiment être... Enfin... On verra. Je ferai peut-être... découverte trop lolo et regardez, je suis nul. Voilà. La lumière, le souffle, la chaleur. Je les sens encore. J'en rêve toutes les nuits. D'accord. J'espère que ça sera toujours à base d'automates. Ils sont beaux, les oiseaux de la volière. Ma mère aurait apprécié. Elle aimait les oiseaux depuis toujours. Et jusqu'à la fin. Oui, donc visiblement, eux, ils sont tous quand même un peu tarés, hein. Okay. Ah non, elle fait pas de discours dans le sens... pas par là. On va trouver... Sûrement pas. Si, le... pas par là. Il y a un moment, il faudra qu'on rentre dans la volière. Il semblait qu'il y avait une pièce par là. Pas du tout. Après, il faut reconnaître ça. Je trouve que les jeux Siberia ont tendance à être des jeux très calmes. Très posés. Oh là, ils font une tentacouille. Ça ne va pas. L'ascenseur de sortie. Mais comment suis-je censé l'ouvrir? Être routine. J'ai essayé. J'ai essayé de leur dire que j'allais mieux. Mais ils ne veulent rien entendre. Alors, à ce propos, on peut en parler. Vous savez que... quelques années... bonne cinquantaine... Enfin, je sais pas. Il y a quelques années, moi, j'ai lu un article hein, sur cette expérience qui a été faite. 12 personnes sous la directive en fait d'un psychiatre ont fait une étude. Les personnes ont été toutes diagnostiquées saines. Et elles se sont toutes rendues spontanément ou avec l'aide d'un proche dans un hôpital psychiatrique en simulant une pathologie. Ils étaient libres de simuler ce qu'ils voulaient. Il y en a, c'était... ils voyaient des mouches. Il y en a, c'est... voilà. Bon, bref. Ils simulaient tous une pathologie. Et au bout d'un mois, ils devaient tout cesser. C'est-à-dire, tous cesser cette pré... comme quoi ils étaient fous. Enfin, comme quoi ils voyaient des mouches, etc. Au bout d'un mois, tous les symptômes devaient disparaître. Eh bien, les médecins qui les avaient pris en charge dans les différents hôpitaux psychiatriques... refusaient de les laisser sortir. Parce que pour eux, ils n'étaient pas guéris. En fait, très facile de diagnostiquer quelqu'un de malade, mais de diagnostiquer quelqu'un qui est guéri d'une maladie mentale, ils savent pas. Donc en fait, quand vous rentrez dans un hôpital psychiatrique, c'est pour toujours. Voilà. Même si vous êtes guéri, c'est-à-dire... Et je crois qu'ils avaient galéré même plus de 6 mois... Ils avaient dû faire appel à la justice en disant que c'était une expérience pour faire libérer les personnes des hôpitaux psychiatriques. C'était quand même assez incroyable. Je vous laisserai chercher cet article sur internet, un truc comme ça. J'ai cru qu'on pouvait rester parmi nous. Assez flippant. Alors, vous êtes réveillé. Le docteur Olga est au courant. On fait quand même le reflet dans le miroir. Mais véridique. Les maladies mentales et la guérison de maladies mentales, c'est pas donné à... Docteur Mangeling. Mangeling. Ouais, tant que c'est pas Mengele, moi ça me va. Mon Dieu, qu'il est moche. Ah, vous vous êtes réveillé, numéro 10. Que puis-je pour vous? Numéro 10, alors s'il te plaît, tu me parles autrement. Eh bien, il me semble que je suis guéri. J'aimerais maintenant reprendre ma route. Vu votre état, voilà un projet qui me semble un peu prématuré et passablement déraisonnable. Numéro 10. Ouh. Oh, comment j'aimerais pas qu'on m'appelle... Voilà, j'ai un nom. Je ne suis pas un numéro. Je m'appelle Kate Walker. J'apprécierais que vous m'appeliez par mon nom, docteur. Voilà où je veux en venir. Cette agressivité en vous... Je crains que cela ne soit lié à quelques séquelles traumatiques conséquentes. Vous refusez donc de me laisser sortir? Oh, bien sûr que non, mademoiselle.
il n'est pas dans mon intention d'abuser des prérogatives de ma fonction. Néanmoins, il faudrait au préalable vous soumettre à une batterie de tests destinée à prouver que vous êtes bien rétabli. Vous comprenez ? Asseyez-vous, je vous en prie. Ouais, donc mentir, quoi. Je... Là-dessus ? Oui, oui, n'ayez crainte. Ah oui, vu sa tête, aucun problème ! J'ai aucune crainte, hein ! Et il va me manger ! Et vous allez me manger ? Ne vous inquiétez pas pour ces attaches. Une simple formalité faisant partie du protocole mis en place par le docteur Olga, notre responsable. Alors, je serais ravi de... Nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et lieu de naissance. Alors, logiquement, c'est Kate Walker, 23 ans. Alors... Répondez-moi, je vous prie. Je m'appelle Kate Walker, je suis née à New York et j'aurai 30 ans. Ah non, 30 ans, ah, je pensais que ça allait être plus jeune. Remarquez, vu les études. Bien, bien, mademoiselle. Jusqu'ici, mon appareil semble corroborer vos déclarations. Vous utilisez une sorte de détecteur de mensonges ? C'est la procédure. Cessez de vous inquiéter et parlez-moi plutôt de vos proches. Êtes-vous en bon terme avec eux ? Non, j'ai coupé les ponts avec eux. Ça fait des semaines que je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Et Dan, mon ex-fiancé, est parti avec ma meilleure amie, Olivia. Ah, épisode 1. Vous semblez vous complaire dans le chaos et l'anarchie, Miss Walker. Ce tropisme pour le désordre a-t-il un lien avec Hans Vorarlberg et Oscar ? Vous nous avez beaucoup parlé d'eux pendant vos délires. Petit con. Une je commence à perdre. Oscar était un automate et c'est Hans Vorarlberg qui l'a fabriqué. Je me suis lié d'amitié avec eux et je les ai accompagnés dans un long voyage à travers l'Europe. Voilà tout. Mm-hmm. À vrai dire, ce qui m'intéresse, Miss Walker, c'est que pendant ce voyage, vous avez été en contact avec le peuple Yukol. Ces nomades qui d'ailleurs vous ont amené jusqu'ici à Valsambor. À votre avis, que faut-il craindre de ces tribus primitives qui semblent ne connaître ni loi ni frontières, refusant la civilisation et la sédentarité ? Mais rien, laissez-les, c'est juste des mecs sympas ! Ils doivent être sédentarisés. Je pense, docteur, que les Yukol sont en harmonie avec la nature, le temps et l'espace. Ils n'ont aucune raison valable de changer de mode de vie. Voilà bien l'idéalisme exalté typiquement américain. Peut-être devriez-vous retourner sans tarder à New York, où, je n'en doute pas, vos brillantes idées seront appréciées à leur juste valeur. Bah très bien, laisse-moi sortir alors. Je vois. En quelque sorte, votre silence est une réponse, Miss Walker. Ainsi, vous projetez de poursuivre votre voyage chez nous. Une errance hasardeuse sans projet ni destination. Quel dommage pour une brillante avocate new-yorkaise à qui tout semblait promis. Ce n'est pas à vous de juger de tout ça, docteur. Pour le reste, j'imagine vous avoir prouvé tout au long de cet entretien que je ne présente aucune séquelle psychique de mes blessures. J'aimerais donc que vous autorisiez ma sortie maintenant. Bien sûr, bien sûr. Détendez-vous, Miss Walker. Désolée, mais je n'ai pas l'habitude de subir ce genre d'interrogatoire. Voici quelques années, je vous aurais interrogé différemment, Miss Walker. Ça, ça veut dire quoi ? Je garde une certaine nostalgie des bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Je vous avoue que j'étais un gros sadique. Vous êtes l'une des dernières représentantes d'un monde en voie de disparition, Miss Walker. Un monde désordonné qui ne manquera à personne. Cette clé est à votre image, déstructurée et incontrôlable. Si vous parvenez à l'utiliser pour quitter cet étage, alors vous nous prouverez que vous êtes définitivement guéri. J'aimerais récupérer mes affaires avant de partir. Vous les trouverez là-bas. Ah, fantastique. Et tu peux pas sortir de la pièce pendant que je me change ? Gros dégueulasse ! Bon allez, YouTube !
C'est tout pour cette première vidéo de Siberia 3. On va se faire toute l'aventure. Moi, je suis bien content de retrouver Kate. Et surtout, surtout en HD. Oh, quelle est belle. Allez, des bisous, à la prochaine vidéo.